part de Kissimissi, les amis. Qui est-elle réellement? Je vous rappelle Kissimissi qui est un petit peu, bon, la version féminin, version fille de Guy Woggy. Bon, clairement, tu lui appliques un pot de peinture rose sur Guy Woggy, c'est la même, hein, clairement, c'est la même peluche, sauf qu'on peut dire qu'effectivement, c'est soit peut-être une amie, voire la copine de Guy Woggy. Alors, bien sûr, la fois dernière, découvert l'histoire de Guy Woggy, c'est au tour du coup de Kissimissi. Attendez, attendez, les amis, je viens de voir que sur la vidéo, il est possible de traduire automatiquement en français. Je pense que ça va être drôle, juste pour le fun, je vais le mettre, hein, je vais le mettre. Allez, du coup, attention, on est parti, tout le monde est bien installé. Ok, let's go. Je peux pas m'arrêter, je peux continuer à avancer. Alors, attends. Mais en fait, ça commence... Ah, mais attends, c'est la, du coup la suite directe de la vidéo d'animation. On avait vu Guy Woggy qui a raconté son histoire, je vous rappelle, le docteur. D'ailleurs, je vous invite à regarder cette vidéo. Hein. Guy lui-même confirme, bien sûr. Du coup, donc, on est parti, attention. C'est la course poursuite. Il va être moi sur... Il va être sur moi, il va être sur moi. Je dois trouver une porte pour m'échapper. Oh, il a eu tellement de chance. Il ressemble donc à ça, lui. Oh. Ok, il doit peut-être avoir une arme quelque part. Une hache, une tronçonneuse, un balai. Attends, une cassette. Mais attends, mais sérieusement, c'est la seule chose avec laquelle je peux me... défendre ou interagir. On va peut-être voir un espèce de message secret. Mec, tu parles trop. Ok, il y a peut-être un message secret. Un nouveau message. Oh, bonjour, mon nom est Led Pierre. Bah, clairement, les traductions automatiques, ouais, c'est pas trop ça. Si vous les activez sur cette vidéo, je pense qu'à mon avis, vous allez vous éclater aussi. Alors donc, c'est Pierre. Je suis le chef de l'innovation en haut à Playtime. Oh, si vous voyez cela, alors, vous avez volé la propriété. Et cet endroit est condamné depuis des années. Nous enregistrons cette petite cassette pour avertir tout. Ok, d'accord, tous les nerdules. Ok, qui pourraient penser à voler des secrets. Ah ouais, donc, en gros, ils ont enregistré cette cassette aussi comme forme d'avertissement pour les voleurs, les gens qui essayent de pénétrer un petit peu dans l'usine Playtime, hein, bien sûr. Ok. Mais attends, mais je m'en fous, je ne veux pas. Je veux pas voler votre propriété. Je veux juste sortir d'ici. Allez, s'il te plaît, donne-moi des indices pour sortir d'ici. Vous ne voulez pas entrer par effraction dans cette usine de jouets. Attendez. Quoi, rentrer par effraction est un crime. Mais je comprends, mais... La cassette, c'est rien. Oh! Si quelqu'un écoute ceci, s'il vous plaît, aidez-nous. L'un de nos projets a changé d'un coup. Ok, il nous a piégé à l'intérieur, ok, d'une cabine. D'accord, il nous a piégé tout simplement dans une des pièces de l'usine. Donc j'imagine que c'est Huggy, hein, je vous rappelle, hein, qu'on a vu toute l'histoire, hein, de Huggy Woggy, hein, comment que ça s'est passé et tout, que c'était en fait le cerveau d'un des scientifiques, d'un des docteurs qui était là, qui a été transféré dans la peluche. Enfin bref, c'était juste énorme, mes amis. Ok, si on regarde ça, il vous chasse sûrement. Libérez-nous. Cela vous donnera peut-être à l'arrêter. Ok, donc il a pas écrit, mais suivez la fleur. Ok, alors soit je suis mangé vivant, soit coupé en deux. Très bien. Oh, ça devrait être faisable. Ah, il force la porte. Je dois faire attention. Très bien. On les conduit, c'est jamais bon. Tu es juste là. Oh, la tête. Est-ce qu'il est? Oui, je vous fais la traduction. Assuming it didn't come alive and kill you, do kids even like dolls with shark teeth? Ouais, c'est ouf, le... Oh! Wherever he went, he'll be busy for a while, right? Il peut être partout! Ok, très bien, il est peut-être parti sur... Yeah. Ah! C'est l'entrée de Playtime! Or whatever. Ouais, bienvenue, ouais, c'est ça, ouais, des jeux démoniaques. Now, where's the innovation? Ok, alors, tout de suite. Innovation, Wing. Ok, l'aide d'innovation, c'est ça, Wing Innovation. Ça me semble trop facile. Ouais, ça pue le piège! C'est quoi, tu sais pas, quand c'est pour regarder? Bien sûr! Ok, ne pas rentrer, danger, attention! S'il te plaît, attends, y'a vraiment une pancarte! Attends, sérieusement, n'y va pas! Sérieusement, mon frère, je te l'ai dit! Musique, c'était vraiment obligé de l'ajouter ça? Ok, I still need a weapon. Ok, j'ai vraiment besoin d'une arme. Wing, so donc c'est l'aide d'innovation, cool. Alors peut-être qu'il y a comme un rayon de la mort, un truc cool ici. Oh, les mains! Oh, trop cool! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que je peux taper le monstre à bord avec ça? Je suppose que je vais devoir faire preuve de créativité! Oh oh! Oh! Barre-toi, mec! Ah! Ok, il y a une espèce de clé, mais par contre. Ah, il faut la main rouge! Ok, je dois deviner que ça va fonctionner. Mais non, mais mec! La main! Attends, quoi? Attendez.
suis pas daltonien, mais même, enfin, je pense que là... Attends, il a utilisé la main bleue sur la main rouge. Mais c'est quoi cette incohérence? Ok, bonne chance pour traverser la porte. Oh! Mais mec, mais... t'as une patate. Oh, c'est l'endroit où il y a la fabrique de jouets. Vous vous souvenez, où on fait le jouet et qu'on libère le Diwagi. Ok, il doit y avoir une sortie quelque part. Ok, j'essaie de faire quelque chose pour me défendre. De toute une usine hantée pleine de scientifiques faux et aucun d'entre eux n'a construit de leur roquette. En vrai, c'est bien pour l'introduction. Ok, faites-vous un ami. Attends, le truc qui fonctionne. Une machine à amis. Ça va être la façon dont ils ont fabriqué les jouets si rapidement. Oh, il arrive, il force la porte. Ok, très bien. Allez hop, on ouvre. On fait comme dans le jeu, les amis. Accepte tout. Allez, vite, donne-moi un truc cool. Un espèce de pistolet laser ou quelque chose. Il fait des cloques. Mais c'est quoi ces portes? Elles sont faites en papier mâché. Ouais, je pense que c'était mieux, clairement, vu l'état du truc. Oh, mais il est là. Ah, j'aurais pas dû. Il va me manger. Ok, très bien. C'est bon, c'est en train de se faire. S'il te plaît, pour l'amour, Huggy Wuggy, pensez à un truc sympa. Si vous mangez maintenant, et avec cet endroit étonné pour toujours, vous ne pourrez jamais jouer avec quelqu'un encore une fois. C'est pas faux. C'est pas faux. Ok, c'est bon. Ça a l'air de fonctionner. Ok, Huggy Wuggy, prépare-toi au fight. À la rencontre. Oh là, il est arrivé dessus. Qu'est-ce que... A stuffed dog, are you kidding me? Une peluche, tu te moques de moi? Il monte totalement ses fesses là. Non, c'est. Ok. Non, c'était la résurrection qui était le 2 trop, tu vois. Bon, bah moi je peux le cahier jusqu'à temps que je meure. Wait, that's it. Attends, c'est la sortie. Oui, pose le truc dessus. Mais c'est pas un fromage. Ah si, il a le fromage sur la tête. Ah ah. Oh là 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 là. La claque! Où il est vénère? Où il est vénère? Ok, plan B! Ok, plan B! Ok, donc la porte c'est mort. Vite, l'aération! C'est ça, la ventilation. Allez plus vite! Oh, on est tellement les trois ici! Ce monstre est super grand, normalement il n'aurait pas été capable de passer! Oh, mais sérieux! Allez, allez! Il arrive! Je l'entends plus. Peut-être que je l'ai finalement semé. As long as he's making progress overall, I'll call that a win. Oh, il est là, il a trop avancé. Wait, there's a way out. Attends, il y a une sortie. Is that light? Does this lead outside? Il y a de la lumière. Screw you, trap toy makers. Home free. Va te faire piéger, les fabricants de jouets. Je suis enfin libre. Oula. Lâche pas, mec. Oh, ça va casser. Il arrive, attention. What? Mais ça aurait été énorme, ça se passe comme ça aussi également dans le jeu. Ok, très bien. Bah, t'as eu de la chance, mec, hein. Oh. Yes, I did it. Ok, ouais, je l'ai fait. Je suis enfin libre. Enfin, de promener encore dans le reste de l'usine hantée, en fait. Pour toujours, non. Ok, pense à ce qu'il a dit, le fabricant de jouets. Suis la fleur. Oh, le coquelicot. Poppy. That's barely a flower. Ok. Bon, bah, ça, c'est une fleur, en tout cas. But I guess it's what I got. Alors? Oh, c'est vraiment l'endroit et tout exact. Est-ce que Poppy sera libre? Allez, t'es libre, je vous rappelle. Here goes nothing. Je pense qu'il peut rien avoir de pire. Il peut pas avoir pire que Huggy Wuggy qui te pensait, quoi. C'est quoi cet endroit? Hello? Bonjour! Les fabricants? Quelqu'un d'autre? Enfin, n'importe qui, il y a quelqu'un? Poppy dans sa boîte! On va savoir! La suite. De la fin de chapitre 1. Donc, on ressemble vraiment à ça ou pas? Parce que honnêtement, il est stylé quand même, le perso. Moi, j'aime bien en tout cas. Alors, j'ai parié que ce chien prend vie si j'ouvre la cage. Alors, ce chien, bon, c'est une poupée, mec, mais. On va laisser ça comme ça. Très bien. Tu te prends pour un idiot? That's what the psychos in charge expect me to do. Okay. And the doll comes alive if I don't open the cage. Attends, peut-être que, voilà, si j'ouvre la boîte, peut-être que la poupée prendra vie. Et non pas le chien. I'm not falling for your mind games. Essayez de pas... Oh, attends, je vais tomber amoureux, quoi? T'as ouvert... T'as ouvert ma valise, mais là, ma boîte. Quoi? Oh! Mommy doesn't like guests. Maman n'aime pas les invités. Tais-toi, tais-toi.
Oh, tu sais laisser. Oh, ça se... Oh. Ah. Donc là, c'est chapitre 2, quoi. Allez, vite, vite. Suis-moi, suis-moi. Est-ce que t'es cherché le bon endroit? La bonne descente, c'est quoi ça? C'est pire que les monstres, c'est pire que les monstres. Elle s'éclate. Elle s'éclate, Poppy. Ok. Ah. Qu'est-ce que c'est? C'est une main à ordure de jouer. Oh. Elle nous a suivis. Elle nous a suivis. T'entends ça? Elle nous a suivis. Ok. Très bien. Très bien. I think we lost her. Je pense que nous l'avons semé. You were really good at holding your breath. Hey, t'es vraiment doué pour retenir ta respiration. I'm an inanimate doll. Non, je ne suis pas. Je ne suis pas. Je suis juste une poupée inanimée. Oh. Je n'ai pas besoin d'oxygène pour survivre. Do you really think she's vrai. Tu penses vraiment qu'elle est partie? Pour l'instant. Mais elle reviendra bientôt. Pourquoi est-elle là? Pour nous chercher. Maman est l'une des protectrices de cet endroit et tu es une intrusion. Quoi? Non, mais attends, attends, attendez, les amis. Pause deux minutes. Ça voudrait dire que Kissimissi pourrait être en fait la mère de Huggy Wuggy. C'est possible, c'est vrai que c'est pas une théorie qui a été souvent dite, mais honnêtement c'est possible. Bon, on va voir, attends, on va voir. Après ça peut être la mère aussi de l'usine, hein, entre guillemets. Maman est l'une des protectrices de cet endroit et tu es une intrusion. Alors, tu es... Ouais, maintenant, tu m'as libéré de ma cage de verre. Mais je pensais que j'allais avoir une faveur. J'étais en sécurité là-bas, caché. Mais tu m'as conduit. Fallait la laisser. Tu m'as conduit dans la fosse. Fallait la laisser dans la... What? Ok, est-ce que tu peux arrêter de l'appeler maman? C'est tellement flippant. Quel est son vrai nom? Kissimissi. Ça aurait pu être pire. Ok, très bien. Attends, attends. Voilà, bon, ça confirme bien qu'elle se nomme Kissimissi, sans moi. Qu'est-ce que... Quoi? Ah, c'est vraiment la protectrice, quoi. Elle protège ses enfants, tu devrais activer, n'est-ce pas? Attends, ouais, voilà, il y a certains pièges et tout dans l'usine de jeu, ouais. Apparently. Vraiment, il y en a qui sont encore en vie. Ils m'ont laissé une cassette VHS effrayante. Mais ils ont retrouvé la fleur. Pourquoi? Je suis clairement le plus courageux, le plus cool, le plus dur des mecs, s'il sait. Ok, donc le mec qui fait le malin, tu sais. Ouais, je suis le plus beau gosse, le plus courageux. L'autre ose appuyer sur le bouton de ses mobiles. Le mec est en mode quoi là? Non, mais mec, c'est bon, 82 secondes, regarde ça. Tu osais même pas appuyer sur un bouton. Ok. Hey, nice. You found another sticky hand thing. Vous avez encore trouvé une autre main collante. Right, whatever. I gotta say, cheap plastic. Un sac à main, j'avoue que c'est bien dit, on peut dire que c'est un sac à main. Pas celui qui permet de prendre des trucs, mais pour le coup. Use both your grab pack hands. Tu penses que tu peux ouvrir cette porte avec ses deux mains? Allez, dépêche-toi. Kissimissi pourrait être n'importe où. Ne t'inquiète pas pour elle. Je pense qu'on a perdu son Je pense qu'on l'a perdu. Oh oh. Mommy, non. Oh là. Elle a appelé maman, quoi. Oh, tu peux monter, s'il te plaît, j'en peux encore, je pose là. Ah! Jimmy, écoute ta tête! On l'a tous fait dans le jeu! Ça marche pas! Mais idiot, mais prends quelque chose comme arme! Un bisou de maman et c'est fini! Quoi? Oh! C'est la cellule d'énergie qu'on utilise pour débloquer la main rouge! Allez, cours, cours, cours! Allez, vite! Bleu sur bleu! Et rouge sur rouge! On est bon là! Mais sérieusement! Qu'est-ce qui se passe? Y'a rien qui s'ouvre! Quoi? La toute puissance! Poppy, sérieux? Oh les muscles! Poppy, elle va à la salle de sport! Quoi? Sauve-les! Non! Poppy! Poppy! Ah! Bon, elle est morte. Oh, c'est ouf. Donc là, vous avez remarqué que c'était la porte qu'il y avait dans le hall où on croise pour la première fois Huggy Wuggy avec la clé en main. Et c'est la fameuse porte qu'on n'a jamais pu ouvrir, les amis. Vous savez, celle avec les deux mains. Parce qu'à ce moment-là de l'aventure qui est au tout début, on n'a qu'une seule main, en fait. Hein. Je crois qu'on peut... Bon, on pourra vaguement la voir, mais on voyait bien que on était bien au début. Oh, regardez, ouais, c'est vraiment ça, c'est le hall. C'est tellement stylé! Bon, désolé. Allez, on continue. Oh là là, Poppy! Non!
Bon, alors. Allez mon gars, on se relève. On se relève. Faut le faire pour Poppy. There's no turning back now. Y'a pas de retour en arrière maintenant. I have to save those toys. Je dois sauver ces fabricants de jouets. For Poppy. Pour Coquelicot. Ça serait traduit pour Poppy, bien sûr. Ok. Oh, oh. Y'a quelqu'un? Wow. C'est une salle de sécurité. Pas mal, hein? C'est pas mal. Alors, on va voir comment Smithy nous a trouvé. Capteur de mouvement. Ah! Bah oui, c'est les fameux capteurs de mouvement. Oh, une nouveauté de Playtime. Les fabricants viennent vous annoncer le nouveau copain câlin préféré de tout le monde. Huggy Wuggy. Cet Huggy Wuggy est tellement doux et tellement câlin. Il fait que le cœur de chaque enfant se sente chaud et flou. Mais ne vous arrêtez pas là, complétez toute la famille avec Kissy Missy. Ouais, moi aussi, j'ai ma peluche, voilà. Voilà, il va se mettre là, comme ça. Avec des papillons assortis, des bras plus longs et aimants, d'accord. Pour donner tous les câlins et les bisous, vous avez besoin pour toujours. La batterie n'est pas incluse. attends, qu'est-ce que c'est que ça? You can't still be alive. Je crois que Woody Can he? Celui qui est tombé est encore en vie. Phew. Ah donc ça prouve que Woody qui est tombé dans le dans l'énorme silo est vivant. What a relief. Now, back to looking for those toy makers. Bon, on va repartir à la recherche des fabricants de jouets. C'est tellement creepy. Man, who designed this place? MC Escher? Ok, l'homme qui a conçu cet endroit, monsieur Edger, il est impossible. Ouais, il est fou, ouais. When she's not chasing after me with violent, unquenchable bloodlust. Vous savez, quand elle me poursuit pas avec une soif de sang violente et une extrême qui s'est mise ici, en fait, plutôt mignonne. Ouais, c'est vrai, regardez, elle a l'air gentille, mais... Ah! Elle avait fait un trou et tout! Pour y passer, tu sais, c'est... C'est vieux. Uh-oh. Ah! C'est normal, ça? Non! On est dans une zone inexplorée d'usine. Enfin, que nous, on connaît pas, en tout cas. C'est pas bon ça. Kissy Missy, s'il te plaît, non! Non, épargnez-moi! Bon, c'était amusant, hein, le temps que ça durait, hein. Wow! Poppy! This is just sad. Ah, c'est tellement triste! Hé, hey, Poppy! Mais tu es en vie! Barely. How did you escape? Comment t'as fait pour t'échapper? No time to explain. Come on. Il n'y a pas le temps d'expliquer. Allez, viens! Bien sûr! Elle les connaît, t'inquiète. C'est verrouillé. T'es sûr qu'il n'y a pas une espèce de gadget d'empreinte de main pour ouvrir? Ouais, toutes les portes s'ouvrent pas comme ça. Hein. Tu vois les scientifiques se balader avec leur sac de main, c'est... Non, c'est juste un verrou ordinaire. On dirait que notre seule option est de... Non, pas les ventilations, pas encore. Ou alors, si tu veux, on peut attendre ici que Kissimissi ou maman viennent nous chercher. C'est amusant. Non, sérieusement. J'ai toujours voulu savoir à quoi ressemblent les humains de l'intérieur. Quoi? Tu veux que Kissimissi nous coupe en deux ou quoi? Alors, bon. Allez, mort d'extérieur avant que c'est mort. Attends, y'a peut-être une rampe et tout. The schematics I have are about 60 years out of date. Les schémas disent que j'ai environ 60 ans. Bah en même temps, vu la pub et tout, c'est un peu old school hein, quand même. Something's moving around down there. Je pense que quelque chose bouge là-bas. Je pensais que tu t'étais débarrassé de Kissy Missy. Je ne l'ai pas tuée. Elle est plus proche. Elle est la plus proche chose que j'ai entendu. Ah ouais, donc c'est vraiment comme sa mère quoi. Elle essaie de me manger vivant. Even if I wanted to, I couldn't kill si je voulais, je ne pourrais pas tuer Kissy Missy pour toujours. Ce modèle est super résistant. Tu peux fermer les états, d'accord? Tu peux, mais pendant un moment, mais ils redémarrent. D'accord. Donc Kissy Missy serait plus résistante que Huggy Wuggy. Alors ça, je pense pas. Bon, elle l'a pas clairement dit comme ça, mais dans tous les cas, en tout cas, ce jouet est vraiment ultra résistant. Coast looks clear. Ça a l'air d'être libre. Ok. Tu me fais confiance? Bah, de toute façon, je peux avoir le choix. Ok. Ah! T'as fait ça libre ou quoi? T'as regardé? On est mort. Ah! On est où là? What? C'est quoi ce monstre? Oh, une impasse. Ouais. Eh ouais, une impasse sur la mort. Non. Quoi? Attends, mais c'est... Qu'est-ce qui pourrait être plus horrible pour leur faire peur à ce point-là? Non, it couldn't be. C'est quoi ça? Regarde pas ça! What? Mais quoi? Claire! Mais attends, même l'autre! Ah! Non! Tu vas la bouffer! Mais non! I'm alive! Oh!
c'est le joueur. Normalement, le joueur, c'est bien. Hey, on arrive dans notre jeu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un Ookie Wookie. No time for questions. Pas de temps pour les questions. Suis-moi. Ça va, Yi, c'est bon, tu t'en es remis. Okay, you two, spill it. What's going on here? Oh. Where are we going and what is that thing? First, we need to address this mannequin situation. On est passé, on s'est transformé en jouet. Attends. Wait. Attends. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oui, parce que là, en fait, c'est passé trop vite. Mais en fait, le joueur, donc le héros qui était bien en rouge, hein, tu sais tout, est passé dans la machine et s'est transformé en jouet. C'est pour ça que là, du coup, Huggy nous attaque. Attends, je veux revoir ça. Attends. Regardez, parce que c'était trop vite. Mais what regardez ça. What could possibly be horrible enough to scare them? C'est incroyable ce qui vient de se passer. No, it couldn't be. Oh, il arrive. Oh non. Oh, mais il est horrible. Il est horrible. Voilà, ouais, c'est ça, il l'a poussé dans la machine. Ah, moi j'étais trop concentré sur le fight. Oh. Et voilà, et là regardez, il ressort en jouet. J'ai envie. Waouh. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Ookie Wookie. Ah ouais, en fait c'était qui parlait de Gimoji. Pas de temps pour les questions. Transformé en jouet. Ok, Wooly. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Et où est-ce qu'on va maintenant? D'abord, nous devons aborder cette situation de mannequin. Mannequin? Enfin, de peluche, de jouet. Wait. Quoi? Non. Qu'est-ce qui m'est arrivé? La machine t'a transformé en jouet. Maintenant, tu es comme nous. Oh man, that sucks. C'est ouf. Quoi? Mais ça craint. Excuse-moi. Eh, c'est assez grossier quand même. Attends, sérieusement, mais comment... Quoi, tu peux parler d'un coup? J'ai pas besoin de te parler avant que tu me menaces. Ok, qu'est-ce qui a changé? Maintenant que Killy Willy est de retour, nous avons de plus gros problèmes. Voilà, il s'appelle Killy Willy le monstre. C'est donc le nom de ce monstre. Killy Willy. C'est un mélange un peu de Kissimissi de Huggy Wooly. Killy Wooly. Ok, tout de cet endroit est effrayant. T'as il a besoin de soi. Non, quoi, dites-moi. D'accord. Vous l'avez demandé. Alors, vous vous souvenez de la machine à faire un ami? Bah, il a utilisé pour construire tous les jouets Huggy Wooly. Un jour, l'usine a décidé de faire un nouveau compagnon, Silly Billy. Voir Silly Billy était censé être un jouet d'elfe sur l'étagère pour aider les parents à surveiller leurs enfants. Ouais, un jouet un peu, ouais, de qui surveille. Ah ouais, ouais, un peu elfe, ouais. Mais ils se sont trompés. Les employés du magasin ont ri de la façon dont ils avaient l'air de se moquer de sa voix, en gros de son visage, tout ça et tout. Il a eu plusieurs émotions, la honte, la peur et la rage. C'est ce qu'a ressenti le monstre quand il a été créé. Vous vous rendez compte de ça? Tu m'étonnes qu'il est devenu. Ils l'ont donc jeté dans l'incinérateur avec tous les autres rejets. Le feu a carbonisé la fureur de l'idiot et plié en noir. Et l'a déformé encore et encore. Mais sa haine des humains lui a permis de survivre. Il voulait se venger et a juré de le prendre donc stupide Billy. Ouais, donc en gros de tuer tous les scientifiques, voilà. Quoi? Et ainsi Killy Willy est né. Nous l'avons enfermé dans la partie la plus sombre de l'usine. Et avons jeté la clé. Parce qu'ils ont oublié de le noter, mais ils ont jeté la clé. D'accord. Ok, d'accord. Nous n'avons pas la technologie pour réellement tuer Killy Willy. Attends, mais qu'est-ce que tu veux dire, Poppy? On peut le laisser là-bas? Attends, peut-être qu'à la grâce à la science moderne, nous pourrons avoir une chance. Oh! Intéressant ça. Je ne pense pas que Killy Willy soit sur nous. Mais il y a une arme ici quelque part. Nous devons la saisir avant que Killy Willy n'apparaisse. Et s'il se cache juste dans l'ombre en attendant de se jeter sur nous? Je pense que nous sommes connectés d'une manière ou d'une autre. Je peux sentir ses mouvements. Il est dans l'aide de sécurité. En train de faire? Il surveille? Quelque chose de mal. C'est impressionnant. Ça ne s'arrange pas ici. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Killy Willy essaie de prendre le contrôle de la sécurité. Il a coupé le courant pour initialiser le système. Eh ben, pour une poupée piégée dans une vitrine, vous en savez beaucoup hein, sur le fonctionnement de cette usine. Taisez-vous! Cela rend juste le travail plus facile. Si le courant est coupé, les caches d'armes sont ouverts.
Oh, il y a des armes. Attends, mais c'est quoi cette petite blaster? C'est un lance-roquette expérimental. Accrochez-le à votre pack et il simule automatiquement les points faibles de Chili Willy. Un seul coup suffirait pour le tuer. Quoi? Mais c'est ouf. Oh. You got a better idea? Est-ce que t'as une meilleure idée? Je pense que le Chris a la calmé, tu vois, parce qu'il était pas trop chaud pour prendre l'arme. Alors par contre, si on trouve la sécurité et qu'on arrive à ouvrir les portes et du coup sortir, faut absolument que je trouve un médecin pour me rendre humain. You mean Kissy Missy, the pink lunatic? De quoi? Tu parles de Kissy Missy, le fou rose qui essaie de me manger? Attends, de quoi? Elle pourrait me soigner? If we use the weapon, we'll be firing blind. Well, you should have thought about that before you tried to kill okay. me. Take care of bon, yourself, très Poppy. Bien. Alors, on va pouvoir prendre. Bon, au moins on a l'arme, c'est ça qui est bien. Why? Oh oh. Il arrive. I won't let him hurt you. Je ne laisserai pas te blesser. Non, attention. What? Non, Kimochi. Wouah. I know who you are. Je sais qui tu es. Ah. Ah bah bon app. Non. Non, Poppy. Oh, il va tellement vite. Pendant ce temps-là, le joueur galère à rentrer dans une boîte aux lettres. Comment ça se passe, le plan d'évacuation? Je suis pas sûr, mais... Maintenant, je suis un joueur sandwich. Un sandwich métamorphorique, s'il te plaît, ne me mange pas! C'est pas autant que j'aimerais te dévorer, mais bon, j'ai encore besoin de ton aide. Il veut me bouffer quand même, quoi. Ok, nous devons sauver la famille avant qu'il ne soit digéré comme un jouet. Peut-être même avoir une famille, c'est une sorte de truc juste pour me faire baisser ma garde. Ouais, j'avoue, oui. Non mais c'est bon, il piège pas, mec. Ok. Attends, quoi? Vous aussi, vous étiez... Alors là, t'as le joueur qui dit, mais attends, Eugie Woggie qui s'initie et Poppy, vous étiez des vraies personnes avant. Et oui, mon gars. Join me. Allez, rejoins-moi. Je vais te libérer, ou alors tu refuses. Et ils seront tous les deux piétinés par Gilly Willy. Choisis. Ok, bien. Tiens-moi là. La tête. Ah. Finally. Ah, enfin. Shush. Genre, il les voit pas. On dirait quand même lui et moi là. Pourquoi il nous a pas attaqué? Les premiers modèles comme Kelly Willy ont un métabolisme lent. Oh. En fait, il se met dans une plante pour aller digérer, d'accord. Nous avons tué cette chose. Tiens, t'auras besoin du flingue. Ah! C'est quoi ça? Vous augmentez la chaleur? C'est du chauffage? Woggy, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Woggy? Qu'est-ce qu'il va pas? What? Il a la rage ou quoi? Snap out of it, please! Non! What happened? You went cannibal there for a second. Mais tu es devenu cannibale pendant une seconde. Je dois garder le contrôle. Ouais, nous pouvons pas nous permettre de paniquer. Surtout quand on affronte Kelly Willy. On y est presque. Ça irait bien comme moi, je trouve. Bon, c'est énorme de voir les deux là réunis là. Le joueur et Eugie. Le truc, c'est un film, vu le temps que ça dure, c'est énorme. Ok, attends ici. Ça va être le repère du Tilly. Il m'aurait attaqué la dernière fois, regarde en bas. Attends quoi? Non, me dis pas que. Oui! Faut passer la brume, faut descendre en bas du silo! Tu me crois pas? Pas te faire de mal. C'est le seul moyen de sauver ma famille. S'il te plaît. Huggy Wuggy, let's get one thing straight. Ok, bon. I'm not doing this for you. Je fais pas ça pour toi. I'm here to save Poppy. Je suis là pour sauver Poppy. So if you turn on me, donc si tu m'allumes, tu ne fais que du mal à toi-même. Ouais, c'est vrai. Ok. Allez. Grab on. Ok, c'est parti. Ben ordure. Oh, c'est la caisse. Elle a pas du tout servi à ça, mais genre tout en bas, il y aurait le repère. Why did we stop? We're all out of Pourquoi on s'est arrêté? T'as pas une espèce de vision nocturne et tout? Alors, je peux pas voir à travers ce brouillard même si j'avais une vision nocturne.
Ils vont sauter. Attends, mais t'es fou! Nous allons parcourir une bonne distance avec le corde, avec le grappin. Peut-être pas pour un monstre de type. Ouais, j'avoue que lui, il mesure quand même au moins 8 mètres, le mec, hein, donc bon. Très bien. Bon, je suppose qu'on n'a pas le choix. On va pas rester là à discuter. Allez, les gars! Sautez! Allez, trop bien. Bon, Poppy! What? C'est quoi cet endroit? Cutting room floor. I thought that was just an expression. C'est là où... Oh, c'est la salle de torture. C'est là dont il parlait en fait. La salle de torture, c'est peut-être là où il y a la bête. Ouais, voilà, Killy Willy contrôle toujours la sécurité. Il est là. Il contrôle les lames. Quoi? Mais c'est quoi cette usine? Oh, je savais que c'était un piège. Vous êtes tous des animaux. Please. Non, Oji! Quoi? Regarde-moi, croyez-moi, comme nous. Okay. Faut le regarder comment? Pour Poppy. Non! Oh, vas-y, tire. What? No. Il y avait une hache. Non! Oh, bien joué. Oh, bien joué, ça. Oh! Quoi? Patinez. Oh, il a recraché! Tissine ici, Poppy! Je savais que tu reviendrais. Je ne vais pas mentir, Poppy. J'avais prévu de t'abandonner. Toi, Kissimissi, les scientifiques, tout le monde. Sois pas déçu, c'est bon. Je ne sais pas si Killy Willy est parti pour de bon ou s'il vient de battre en retraite pour remettre de sa blessure Nessie, mais je suis content de t'avoir retrouvé. Certaines choses vaut le coup de s'accrocher. Oh! Et on arrive du coup à l'épisode qu'on avait vu sur l'histoire de Huggy Wuggy, les amis. Ah, énorme, voilà. Donc on a vu justement la fois dernière. Et bah écoutez, les amis, on va du coup s'arrêter là pour l'histoire de Kissimissi et bien d'autres. D'ailleurs, il y a eu tellement d'histoires dans cette animation, alors qui était très longue, mais tellement cool. Et j'ai envie de vous dire, plus c'est long, mieux c'est. Hein. Honnêtement, là, franchement, c'était que du bonheur. Que du bonheur. On a appris l'existence d'un nouveau monstre. On a appris aussi un peu plus de choses, bien sûr, sur Kissimissi, qui est un petit peu la maman, la surveillante, bien sûr, un petit peu de l'usine. Hein. Elle surveille très bien Poppy. Hein. Donc, Poppy, d'ailleurs, considère Kissimissi comme sa mère. Huggy Wuggy, pour le moment, on sait pas trop, hein, tu vois, mais en tout cas, elle était bien là. Et apparemment, il s'avère que Poppy et Kissimissi étaient, tout comme Huggy Wuggy, justement, une personne bien vivante, tout comme le joueur, hein, qui du coup s'est transformé en mannequin, voilà, enfin en espèce de jouet, voilà. Avec aussi l'autre, là, non mais Killy Willy, quoi, mais ça suffit. On a pas encore vu le deuxième dans le jeu, tu vas déjà ajouter un troisième, tu vois. Bah écoutez, les amis, en tous les cas, on va du coup s'arrêter là pour cette nouvelle vidéo sur cette animation incroyable. Et n'oubliez pas, les amis, vous pouvez bien sûr retrouver toute la vidéo complète directement dans la description. En tout cas, merci à tous, les amis, n'oubliez pas lâcher un maximum de likes, ça me ferait bien sûr extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. C'était Young Jumper, et surtout, si vous souhaitez que je regarde d'autres animations, ce serait bien sûr avec grand plaisir, surtout sur cette histoire incroyable, qui est bien sûr Poppy Playtime. En tout cas, merci à tous, c'était Young Jumper, je vous dis du coup à très bientôt. Ciao les amis.